collective est conditionnée à ce que tous les peuples puissent vivre en paix et disposent des libertés individuelles et collectives indispensables à leur développement. Depuis plus d'une année, la pandémie liée à la Covid bouleverse la vie, le travail, les libertés individuelles et collectives des populations sur tous les continents. En France, le 1er mai va une nouvelle fois se dérouler dans un contexte de crise sanitaire. La persistance de la circulation des virus est rendue plus alarmante par l'insuffisance des moyens de notre système de santé publique, moyens matériels et humains, particulièrement dans les services de réanimation, mais aussi dans les établissements hospitaliers, médico-sociaux ou encore dans les déserts médicaux. Ce constat indéniable de difficulté d'accès aux soins trouve ses causes dans des choix budgétaires et politiques visant à faire toujours plus d'économies. Cette crise sanitaire se double d'une crise économique et sociale très grave. Malgré les dispositifs mis en œuvre et malgré la solidité de notre système de protection sociale. Laisse-moi te chanter. Thank you.
Saint-Jouin et Saint-Théâtre occupés dans l'Odéon, d'où départait le mouvement des intermittents. Les occupants du théâtre dénoncent la fermeture des lieux de culture, théâtre, cinéma, musée, l'interdiction du spectacle vivant, l'interdiction de l'accès à la culture, sans pour cela nier la maladie. La seule culture autorisée reste la culture de la peur, poussée à son paroxysme dans les spots télégouvernementaux. Isoler les citoyens, les maintenir sous cloche, ne plus réfléchir, ne plus penser, devenir et rester docile, est-ce un avenir? Interdire les rencontres, la convivialité, ouvrir grand les réseaux dissociaux et le formatage de la société dans la pauvreté intellectuelle, est-ce un avenir? Les occupants et les occupantes et les occupants du théâtre se battent contre la réforme de l'assurance chômage dont la mise en place est prévue pour le 1er juillet 2021. Si tu savais.
les prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, oppressions de notre société. C'est fou comme ils sont protégés, que nos riches et nos puissants, et à toi qui est à payer, être l'ami du président, chers camarades, chers docteurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné une heure, remettre à serre les prolétaires, et donc à la lutte, il y a de l'espoir, on vivra tout le temps. Thank you.
que bah voilà, il y a un nombre de monde qui est tout fou. En folie. Il a mis très clairement les autres. Contrairement à ses syndicalistes. Voir le penser en assez encore, 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 voir le
marche, nous ne faisons pas allégeance. Allons dans toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, monsieur le pouvoir parler, venu annoncer la sentence. Nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.